Yo mes Nakama, ici ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et bienvenue dans le Winnie Street. Nous sommes en direct de la Paris Manga et nous allons organiser un micro-trottoir sur le phénomène manga du moment, One Punch Man. Allez, let's go. Tout est bien, l'humour est bien présent, les moments stylés où le héros devient un petit peu zéro, c'est impeccable. Bon, ce qui est dommage, c'est que sur les 12 épisodes, il n'y a eu à aucun moment un combat où ça y a vraiment compliqué la tâche. Même le dernier, ils ont fait croire. Mais en fait, c'est plutôt lui qui testait l'adversaire. Voilà, c'est ça, il n'y a pas vraiment de challenge en fait. Mais le style y est quand même. On sent pas le challenge dedans. Mais heureusement qu'il y a Genos pour ça. Parce que sinon, personnellement, je m'ennuierais dessus en fait. Du coup, d'accord, c'est par l'anime ou par le manga ? Par l'anime. L'anime aussi, ouais. Je pense que c'est un bon manga qui est assez marrant en tout. Parce qu'on a un mec qui tue ses adversaires en un coup et qui fait comme si c'était un truc normal. C'est complètement what the fuck, quoi. Le gars, au final, c'est un peu un mec blasé, tu vois. Genre, il veut être un super héros, mais en même temps, il est tellement blasé de l'être, tu vois. C'est genre, merde, encore en un seul point, putain. Il est juste énorme graphiquement et même l'histoire. Ça change un peu de tous les shonen archétypes, du style le héros doit gagner en puissance et tout, là, il est juste côté, il laisse pas trop le monde. Vous avez commencé par l'animé ou par le manga? Par l'animé. Bien dessiné, les seiyuu sont juste parfaits, un personnage épique pour les puissants. Il y a juste le personnage de One Punch Man qui est dessiné de façon, on va dire, caricaturale. Mais en fait c'était exprès, c'est dans son personnage qui fait tout le temps blader parce qu'il est trop fort pour tout le monde. Et vous avez commencé avec le manga ou l'animé? Moi j'ai commencé avec l'animé. Le manga et tout, moi j'aime trop. Ah oui, grave. Sachant des héros qui sont des héros, tu vois, sont beaux, bien pringués, bien musclés, enfin il est bien musclé, mais voilà quoi, genre. Et vous avez commencé par l'animé ou manga? L'animé. Non, manga. Le manga ou l'animé? Manga, non, manga. Je trouve que c'est assez what the fuck qui est marrant à la fois. Et c'est surtout Saitama en fait. Il est moche en fait, il est super fort. C'est ça qui est assez incroyable. Et on voit qu'il a pas mal d'expérience. Et dès qu'il voit un méchant, bah, on s'en fout quoi. Il sait déjà qu'il est nul quoi. Donc je trouve ça assez marrant. Et voilà. Et t'as commencé par la nuit ou non? La nuit. Bah c'est bien, c'est drôle. C'est drôle. J'aime bien. Ouais. Très bien. Et vous avez regardé, vous avez commencé par la nuit ou le manga? Le manga. Très sympa, très intéressant. C'est assez en décalage avec ce qu'on a habituellement. Ça change et ça s'apprécie, ça se regarde, franchement c'est très rafraîchissant on va dire. Quelqu'un, t'as commencé par l'anime ou le manga? L'anime. L'anime? J'avais entendu parler du manga avant mais je suis pas trop fan de Scan et quand j'ai vu l'anime j'ai vu que c'était fait par Madhouse tout ça, j'ai dit... Surtout il m'en a parlé, enfin on m'a pas lâché avec ça du coup. Très très bien. Ouais, super bien. Nouveau. Notamment dans l'animation qui est pas mal. L'animation, toi t'as commencé par l'anime du coup? Ouais. Pareil. Moi j'ai eu du mal. J'ai eu du mal sur l'épisode pilote. J'ai commencé par l'animé et j'ai eu un peu du mal en fait. D'accord. Et toi, arrête de Moi j'ai pas suivi. Bon encore, moi c'est la première. Ah bah il faut s'y mettre là. Il a commencé en buzz, mais je pense quand même qu'il va continuer parce que j'ai cru avoir vu quelques infos qui disaient qu'il allait continuer. D'accord. Et c'était pas mal de savoir, en se renseignant un peu plus, comment ça a commencé. La personne qui l'a créé ne voulait pas vraiment le publier, il avait fait ça pour plaisir. Et quand il a vu que les personnes regardaient beaucoup, ça a fini en animé et ça a vraiment bien buzzé. Tout en espérant qu'il y a vraiment une évolution. Je pense qu'avec ça, il peut durer autant que Dragon Ball. Ah ouais, tu penses quand même? Je suis optimiste. Du manga, je pense pas à ce point parce que c'est certes connu, mais c'est pas, ça va pas non plus aller jusqu'à dépasser Naruto, One Piece ou Bleach. En basant sur les parutions, je dirais que ça va être tranquillement. L'auteur a l'air de prendre son temps, donc on va pas avoir trop de merde, j'espère. Non, franchement, c'est un manga, ça va la faire un peu à la Kuroko, genre 3-4 saisons, mais je pense pas plus. Et ça, de l'avenir, c'est sûr. Mais ça va pas s'éterniser comme un One Piece ou à un Naruto. Là, c'est clair. Ouais, tout à fait d'accord. C'est un excellent manga, mais comme No Game No Life ou un truc court, sympa, sur plusieurs années, mais pas beaucoup d'épisodes. Moi, je pense que ça va perdurer. Ça va perdurer. Ça va une bonne histoire, ouais. Je pense qu'il va se perdurer dans le temps. Parce que c'est un manga, enfin, animé manga, on va dire. Plutôt court, mais le personnage et les combats sont tellement marquants qu'on se souviendra encore et encore. Non, ça va rester. Ça peut changer à n'importe
d'un côté je pourrais me dire que c'est un manga buzz parce que ça change, donc c'est, ça fait le buzz parce que c'est très nouveau. Ouais. Et de l'autre, c'est vrai qu'après on enchaîne les épisodes et tout, c'est... En plus on m'a dit que les scans étaient vraiment mieux, donc franchement pour l'instant il y a du contenu tout ça, faut juste pas que ça s'éternise trop, parce qu'il y a beaucoup de mangas qui font ça, ça s'éternise et ça perd en qualité. Ah bon. Voilà donc... Je sais pas de quoi tu parles, hein. J'ai un fairy tale. Je pense que ça va bien marcher, moi, que ça va continuer. Il y a pas mal de monde qui en parle, donc je pense que... Ouais, perdurer dans le temps, après je sais pas combien de temps... Dans le temps, mais... Enfin, est-ce qu'il va être du même calibre qu'un One Piece, un Naruto? Non, par contre, ouais. Je pense que c'est un genre parce de... Parce que les gens, ils en parlent comme un nouveau DBZ, hein, donc... Non, moi je pense que si... Ouais. Moi, je pense qu'il vient faire genre une ou deux saisons, un truc comme ça, mais pas comme les Dragon Ball. Oui, 3-4 saisons bien propres, je pense. Ouais, voilà. 3-4 saisons bien propres, et pas un truc genre à la One Piece aussi long que... Même sur deux saisons comme les Tokyo Ghoul, un truc comme ça. Ça... Moi je dirais non. Non. Tout simplement parce que il a le niveau d'un dieu. Qui, Goku? Goku. Ah. Et c'est... Enfin, il est passé au niveau supérieur, etc. Et même au niveau de la persévérance, non, en combat même, je suis sûr de le voir si jamais il y a un combat. Vraiment, au début il va galérer, puis après, vraiment, connaissant le personnage, il va bien le fracasser. Et Son Goku est un dieu. Enfin, l'équivalent d'un dieu. Saitama a déjà battu ceux qui se proclamaient dieux dans le manga. On attend le combat pour savoir. Le jour où il nous faut un combat entre les deux, je saurai. Mais... Le jour où on me dira comme quoi Saitama a le niveau d'un dieu, alors là je dirais que oui, il peut rivaliser avec Goku. Ah, donc, mais pour l'instant, c'est Goku. Bien sûr, c'est normal. Toi, tu penses que Saitama est plus fort que Goku? Saitama est fait pour One Punch n'importe qui. Donc forcément, il est fait pour ça. Il est forcément plus fort que lui. Même que Superman d'ailleurs. Là il arrive à survivre sur la Lune. Oui déjà hein. On peut pas dire pareil de Sangohan. Sangoku, ouais, Sangoku. C'est totalement... C'est pas comparable en fait. D'accord, et toi t'en penses quoi? Je comparerais pas en fait. C'est deux mangas différents. Et en fait, plutôt qu'en fait, Saitama s'est inspiré de Goku. Dragon Ball Ah tu penses qu'il s'est inspiré quand voilà. Même très bien, non, parce qu'il y a des gens qui disent que Saitama s'il affronte beaucoup, Saitama ouais, il va le level. Comme ça c'est souvent... Non franchement il a pas le level. Ok, il a pas le level. Saitama ça détruit des régions, mais dans Dragon Ball ça peut détruire, je sais pas, des galaxies. Ouais. Ah je suis d'accord, Saitama il est plus fort. Ah non, c'est le... Voilà. Il est là, le level là, voilà. Non je pense qu'il s'entend justement. Parce que déjà on voit que Saitama il s'est jamais battu à fond. Et Goku bon, on le voit qu'il va vraiment à fond. Et j'attends de voir Saitama se voir vraiment à fond. Enfin, on espère. Hein, pour comparer la force par rapport à son Goku. On a un combat très honorable contre Goku, mais je sais pas s'il arrivera à le battre. Oh, faut arrêter. Goku il s'est entré dans un truc avec la gravité, tout ça. Après, le but de One Punch Man c'est quand même que ce soit le meilleur, tout ça. Donc. Justement, son but c'est de se moquer de ce genre de héros. Voilà. Donc, je pense pas qu'on peut comparer en fait, c'est pas vraiment la même approche ou ça. C'est un peu un débat inutile, on va dire. Voilà. Mais, Son Goku, Saitama. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué comme débat. Je crois Goku. Il y a des choses à pas toucher. On a jamais vu Saitama à fond, donc je sais pas quoi dire. Ça serait un beau combat, mais. Ouais, mais. Saitama quand même, hein. Voilà, oui, un coup quand même. Mais Saitama quand même, jamais à fond en plus. Ouais, mais on parle d'un Saiyan qui est capable de détruire une planète, à un mec qui a un coup de poing de détruire un monde de 500 mètres. Je parle d'un mec qui, lorsqu'il fait un saut, il va jusqu'à la Lune quand même. Et après, il revient en mode normal sur Terre. Pour détruire un saut. Non, que... Ça peut être un beau combat, lui, mais... Ça peut être un beau combat, mais... Ça reste à voir. On touche pas au classique. Ouais. Il y a des choses dans la vie, faut pas toucher. Voilà. C'est parti. Voilà, mes Nakama, c'est la fin de ce Winnie Street. Laissez-moi vos avis dans les commentaires. S'il y a des sujets que vous aimeriez bien que je traite dans l'avenir, dites-le-moi, c'est dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, sur ce, au plaisir.